well calculated to keep you in. Suspense is brought to you by the makers of Parliament Cigarettes. Hello, hello et bienvenue dans Make Up is Freedom. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode avec une ambiance un petit peu spéciale. J'ai éclairé uniquement à la bougie pour reproduire un petit peu cette ambiance mystérieuse parce que je voudrais vous montrer une idée de make-up pour Halloween. En fait, j'ai fait une bouche noire strassée dans le magazine Stylist et c'est sorti à peu près 2-3 semaines. Et je me suis dit que ça ferait quand même un look pas mal pour Halloween. Alors en fait, je ne vais pas vous proposer quelque chose de gore, quelque chose de très transformation, make-up théâtral, etc. Il y en a déjà des tonnes qui sont très bien sur YouTube. Mais là, c'est plus vous donner une petite idée un peu chic d'un détail, de quelque chose qui va changer, de quelque chose de différent et qui va vous faire un look pour porter à votre soirée de sortie d'Halloween. Du coup, cette bouche tracée, elle rentrait parfaitement pour moi dans l'esprit d'Halloween et c'est quelque chose qu'on peut reproduire hyper facilement, même avec des choses qu'on a sous la main à la maison. Bon, c'est assez nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo éclairage à la bougie. Donc du coup, j'espère que vous verrez les détails. L'idée, c'est pas de vous donner une vidéo purement technique avec des étapes, avec vraiment des how-to, mais plus aussi de vous plonger dans une ambiance et de vous inspirer. L'éclairage à la bougie, il fait ce rendu très glowy sur la peau. Là, j'ai juste mis un petit peu de correcteur ce matin et du mascara. J'ai aussi brossé mes sourcils, donc je vais laisser le mascara et puis le gel à sourcils transparent. Par contre, je vais faire un teint en fait avec les nouveaux fonds de teint de chez NARS qui sont des sticks mat pour un petit peu éviter toute cette brillance, voilà, cette over-brillance. Et je vais faire vraiment ce côté toile blanche, mat, propre pour attaquer avec la bouche après pour quelque chose d'assez impactant. Alors, ce fond de teint de chez NARS, il se présente en stick. Et du coup, il a de l'autre côté une petite éponge. Je vais essayer directement le stick sur la peau en fait. Bon, ça va faire un petit peu barbouillage au début. Puis après, je vais le dégrader au pinceau. Je vais quand même essayer l'éponge, voir ce que ça donne. Ah, l'éponge est pas si mal, elle est assez rigide. Mais pourquoi pas. Quand on a envie d'un truc assez rapide, ça peut marcher. Vous voyez, la texture est quand même assez épaisse. Mais bon, il y a plein de gens qui aiment ce genre de couvrance. Et je trouve que des fois, quand on a envie d'un make-up un petit peu plus soirée, ça dépend en plus de l'éclairage, de l'endroit dans lequel on va, on peut complètement aller sur des choses très mates comme ça. Bon, finalement, je suis convaincue, je vais utiliser que l'éponge. Surtout, ne passez pas de fond de teint sur votre bouche quand vous voulez vous faire une bouche forte, même si c'est une bouche rouge, alors encore plus une bouche noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va corrompre la couleur. Même si vous poudrez, déjà, ça fait un placard, franchement, c'est épais, ça ne sert à rien. Gardez votre bouche naturelle. On va faire aussi un petit scrub, en fait, un petit gommage avec une lingette démaquillante, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais tout le temps en studio. Donc, je prends une lingette et je fais des petits cercles sur la bouche, des petits mouvements circulaires. Et de par la texture et puis l'effet démaquillant de la lingette, en fait, ça va soulever les petites peaux, les déshydratations, et ça va suffire complètement. Et en plus, ça laisse pas ce truc qu'il y a après le gommage, des petits grains et tout, que moi, j'aime pas trop. Donc là, tout est clean. La bouche est du coup un petit peu repulpée. Et c'est vraiment un bon moyen de commencer le make-up sur la bouche. Du coup, une fois que la bouche est gommée et impeccable, je vais attaquer en traçant une bouche noire. Évidemment, je ne vais pas utiliser un rouge à lèvres, mais je vais utiliser un eyeliner, en fait, crème en peau, parce qu'il va sécher en étant mat et il va rester hyper confortable. Pourquoi j'utilise pas un rouge à lèvres? Parce que je trouve que déjà, les rouges à lèvres vraiment classiques en bâton sont pas super en noir. Par contre, il y en a des sublimes en liquid lipstick. Le noir de chez Kat Von D et celui de chez Lime Crime sont super beaux. Mais pour moi, sur ma bouche, ça marche pas trop parce qu'il y a toute cette partie intérieure en fait qui marque pas avec les liquid lipsticks et qui du coup, au bout de 5 minutes, va être un petit peu couleur chair et c'est pas très joli. Et en plus, il y a
pas énormément de confort. En tout cas, moi, je préfère travailler avec ça. C'est en fait, on voit bien, il est tout cassé, ça se voit qu'il sort directement de ma valise. En fait, c'est le Fluid Line de chez MAC et la couleur, elle s'appelle Black Track. Et je vais vous montrer, c'est en fait un eyeliner crème, voilà, qui se trouve dans un pot. Et du coup, bah, pour des eyeliners, c'est génial. Et pour faire un rouge à lèvres noir, c'est top aussi. Vous voyez cette densité qu'il a de fou, très opaque. Bon, je galère à la bougie, hein. Franchement, c'est super beau, mais c'est super galère pour se maquiller. Que je suis tarée en fait. Non mais la fille fait un des trucs qui est techniquement le plus difficile à la lueur d'une bougie. Franchement, mais moi, mais à chaque vidéo, je trouve un défi technique en plus quoi. Je vais juste parfaire un petit peu la V-shape ici pour avoir une lèvre bien incisive. Mais cette texture est fantastique. Vraiment, c'est super beau. Vous voyez, c'est très mat. Ça reste confortable. Ça prend bien aussi l'intérieur de la bouche où la peau est un petit peu plus claire. Et surtout, où elle touche un petit peu l'intérieur de la bouche. Donc, c'est pas forcément stable. Ça reste pas tout le temps. Et voilà. Enfin, franchement, essayez. C'est assez ouf. Bon, en plus, franchement, avec le petit pot, vous pouvez faire des liners, des bouches. Bref. Donc, comme je vous disais, je vais finir vraiment l'arc de Cupidon. Voilà pour la bouche noire. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à venir poser délicatement plein de strass, de petites étoiles, de brillants, de paillettes, en fait, de plein d'origines, plein de tailles différentes. C'est vraiment ça que j'aime dans la bouche que j'ai créée pour le styliste. C'est le mélange. En fait, on n'est pas là pour faire une bouche super, entre guillemets, école de make-up, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas là pour faire une bouche très pleine de strass, hyper photoshopée, hyper parfaite. Non, l'idée là, c'est d'être riche, de créer comme une pièce un petit peu de joaillerie, une pièce d'art sur la bouche, qui du coup va suffire à créer un look de make-up assez fort. Ben, en particulier qui marche super bien pour Halloween. Au final, c'est un peu des lèvres goth glitter. C'est comme si la fille gothique avait pris un petit coup de folie, quoi. Donc pour ça, j'ai sélectionné à la fois, je vais vous faire des gros plans après, des strass, des choses comme ça qui reflètent comme des petites boules de verre, en fait. Aussi des sequins noirs que j'ai dans un kit de Pat McGrath. Les sequins, c'est comme une grosse paillette. Voilà, des mini strass, enfin bon, bref. On va appliquer ça avec une colle à fossiles. Bon, particulièrement la colle duo, hein, c'est celle que tout le monde a, celle qui marche super bien. Et donc, l'idée, ça va être de remplir toute cette bouche de noir et pour venir lui donner des reflets. J'ai hâte. Je crois que j'ai jamais fait un look comme ça sur moi. Bon, évidemment, sur mes mannequins, oui. Mais alors, sur moi, c'est une grande première. Bon, allez, l'idée, c'est de prendre un petit peu random, c'est-à-dire sans vraiment réfléchir. Donc, du coup, je commence par un sequin. Sequin. La colle à fossile est blanche et en fait elle va sécher au fur et à mesure et devenir transparente. Il y a un petit pot là que j'ai fait en mélangeant plein de choses. Donc du coup ça va être ça que je vais prendre vraiment en piqué au fur et à mesure sans trop réfléchir. Je mets la colle sur le dos de ma main et hop, avec une pince à épiler, je prends le strass, je le passe au-dessus de la colle pour que juste il prenne un petit peu de colle. Pas besoin de trop surcharger vos strass en colle à fossile. Et je le pose. Now, a tale well calculated to keep you in. We'll be right back.
général, c'est là que je plains mes mannequins parce que franchement, il faut une patience. Comme vous allez le voir si vous essayez à la maison, c'est très délicat à faire. C'est pas difficile, mais il faut du temps et il faut de la patience. Là, j'ai déjà rempli une bonne surface de la bouche. Franchement, c'est assez canon. Moi, j'adore. Je trouve que ça, franchement, ça fait le look. Hein. Ça brille à la lumière des bougies. C'est trop beau. Et je vais essayer de combler en fait les petits trous avec des strass un petit peu plus petits. Une petite astuce aussi d'application, vous avez vu pour les toutes petites pièces, en fait je prélève de la colle à fossiles avec l'autre côté de ma pince à épiler et je fais un tout petit point sur la bouche plutôt que de venir prendre le mini strass et de le mettre dans la colle, ce qui risquerait un peu de le noyer entre guillemets dans la colle. Tandis que là, je dépose à l'endroit où je veux coller et hop, j'amène le strass même au doigt. C'est pas mal. Alors, attendons, je vais regarder un petit peu ça d'un petit peu plus près et je vais surtout vous montrer d'un petit peu plus près. Bon, ça envoie quand même pas mal cette bouche, non? Alors, évidemment, mangez avant d'aller à votre soirée et puis si vous pouvez aller à votre soirée avec une paille, ce sera beaucoup plus pratique pour boire. Honnêtement, franchement, regardez, ça bouge pas tant que ça. Vous avez vu, je parle depuis tout à l'heure, c'est pas la cata. On sent que ça accroche en fait sur la peau. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est tombé. Donc, so far, so good. Voilà, je trouve que ça fait plutôt canon, super photogénique. Je vais finir le teint, je voudrais mettre un petit peu d'highlighter. J'ai le fameux highlighter de Rihanna. J'ai le contouring ambre et j'ai l'highlighter confetti, qui est normalement assez hallucinant. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait en lumière bougie. Et je pense que ça va être pas mal. Non, mine de rien, ça complète pas mal ce look parce que ça amène quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus sophistiqué au teint. Ça fait comme si la réflexion des strass en fait venait taper aussi sur la pommette. Donc ça peut être assez canon. Vous savez, celui-ci, le confetti, c'est celui qui a un effet un peu holographique. Bah voilà, là, ça se voit, c'est canonissime. Je le remonte un tout petit peu au niveau de l'os. Comme j'ai gardé la paupière très nue avec juste un petit peu de mascara, ça fera aussi le make-up de l'œil au passage. Je fais la même chose de l'autre côté. Là aussi, l'intérêt d'avoir choisi un fond de teint mat, c'est que du coup, l'highlight va sortir encore plus. Et franchement, on adore. Bon, ça se tente un peu là aussi, non? Soyons fous. Je suis complètement accro à cet highlighter de Fenty Beauty, franchement. Au secours, cette bombe. Bon, je vous garantis pas qu'en lumière du jour, en sortant comme ça, c'est le même effet. Je pense que sur moi et sur ma peau, à imperfection, ça aura plutôt un effet raté, clairement. Mais pour une soirée, c'est fantastique sur un éclairage un petit peu sous-éclairé. Vous voyez, ça fait, en fait, ça fait carrément des points comme si on avait du néon sur le visage, quoi. Donc vraiment canon, canon. Je valide avec ce look. Je crois que je vais m'arrêter là. Franchement, je vais pas faire de contour. Je trouve que c'est assez beau de garder quelque chose d'assez plumpy, d'assez voilà, d'assez unicoloré sur le visage et de pas trop rentrer dans un make-up très marqué. Vous savez que de toute façon, c'est pas forcément mon trip. Hein, les règles comme ça de make-up, les choses très 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 fortes. Mais ça veut pas dire que j'aime pas ça, c'est juste que c'est pas forcément, ben voilà, mon trip à moi. Il y en a qui le font très très bien. J'ai un petit coup de cœur pour une chaîne qui s'appelle Mona Purple Pony. C'est Maxime Makeup qui m'en a parlé lors d'une soirée YouTube. Et franchement, cette nana, elle est vraiment canon en termes de make-up. Elle fait des choses, elle a son univers, elle fait vraiment des looks à la fois entre guillemets dur et poétique en même temps. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne pour vous inspirer aussi pour du make-up Halloween. Ça peut être top, top, top. En tout cas, j'espère que ce look vous plaît, vous donne envie. Franchement,
allez-y, lâchez-vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur une bouche noire, mais c'est très beau parce que ça donne du contraste. Vous pouvez aussi le faire sur une bouche rouge, mélanger des strass qui ne sont pas forcément blancs, mais plutôt mettre des strass de plein d'autres couleurs. Enfin bon, bref, lâchez-vous. Encore une fois, je vous dis, le make-up, c'est la liberté. Alors, éclatez-vous. Franchement, passez un super Halloween. Faites-moi des looks d'enfer. Envoyez-moi ça sur les réseaux. Venez me rejoindre aussi sur mon Instagram. Je vous envoie des très gros bisous. À très très vite. Ciao.